Ladies and gentlemen, can I please... Salut les amis. Salut. Bon, là, si vous avez vu le vlog précédent sur les burgers de chez Five Napkins, ça se situe juste après, donc quelques minutes après. On vient d'arriver pour le dessert. Mètres, d'ailleurs. Ouais, c'était juste à côté. Et c'est une boutique de cookies. Qui s'appelle Le nom pour l'autre. Je ne saurais même pas comment le prononcer. C'est Schmackeries. Schmackeries. Ouais, Schmackeries. Et on avait vu ça en photo, ça avait l'air très très bon. Ça a l'air bien. Et là, ça a l'air vraiment bon. Et donc, on se posait la question en fait, parce qu'il est dans le parfum de 6 ou 12. Ouais, 1, 2, 6 ou 12. 1, 2, c'est un peu faible. 12, ça fait beaucoup. Il y a des chances que ce soit 6. Et je pense qu'il faudra bien ça. Ouais, on va voir. Mais ils ont l'air. Ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air bien. On vous montre ça. Allez, à tout de suite. Yeah, it's made with bits of real panther. So you know it's good. It's quite pungent. Oh yeah. It stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Et voilà les amis. Réception du colis. On apprécie finalement. Parce que il n'y en avait pas assez pour que ça fasse 12. Du coup on va attaquer par le classique chocolat. Vas-y. Je crois que c'est pas tout à fait la même chose. Alors là, c'est des flocons d'avoine, hey. Chocolat blanc, cranberry, c'est ça? Cranberry séché. Voilà. Celui-là, c'est un cookie diète. C'est un cookie de sportif, ça. Voilà. Du coup la pâte n'est pas la même. Ouais. Ça fait plus sportif. J'allais dire. C'est diète. C'est pas marrant. Ils sont tous bien cuits. L'extérieur croquant un peu. L'intérieur assez moelleux. C'est bon. Je sais pas par lequel on va finir. Peut-être celui-là. Ouais. Je sais pas. Salé, non. Salé, bacon, c'est celui-là, ouais, bacon. Enfin, il y a du bacon, enfin on vous les représentera. Mais on va voir. Celui-là, Sylvain, c'est. Smacker Doodle. Smacker Doodle. Ouais, il venait de sortir du four en plus. Donc c'est sucre vanille, brun. Ouais. Sucre brun et cannelle. La vanille. Ça change tout. Tu mets où tu veux la vanille, ça rend tout trop bon. Allez. On enchaîne sur on poursuit. Un peu de salé. Un peu original. Donc là, a priori, c'est du bacon avec du sirop d'érable. Il est raide celui-là. Mais adieu. Sirop d'érable, bacon et... Il y avait un autre truc que j'ai oublié. Voilà. Un autre truc. Donc ça, on disait, c'est bacon. Bacon, sirop d'érable, ouais. Et toffee. Donc bonbon caramel. Spécial. Ah. Ah. C'est vraiment spécial quoi. Je peux pas dire que ce soit mauvais, mais c'est pas, ça fait moins dessert quoi. On enchaîne avant-dernier. Avec pistache. Ouais. Chocolat blanc. Chocolat blanc et. Il y avait de la noix de muscade, il me semble. Ouais. Et il y avait des amandes aussi, je crois. Ça commence à être dense. On n'a pas beaucoup mangé avant, alors ça va. Bon, il faut savoir qu'avant, on a quand même mangé deux donuts et demi, ah, un burger, frites de patates douces. Donc là, on commence à... Passe devant tout le monde, là. Ah, celui-là est bon. Devant le classique. Ouais. La pistache, pour l'instant. Bon. Voici le petit dernier. Ouais, celui-là c'est le plus épais. Ouais, donc c'est avec œuf, blanc d'œuf et cream cheese, sûrement un mélange dessus, un topping.
et dedans amande. Je crois que la pâte c'est avec du maïs, il disait. Bon mais voilà. Oh, c'est particulier. J'ai l'impression de manger un bonbon. J'arrive pas à mettre le goût. Incapable de décrire. Il y a un bon moment un peu comme ça. Celui-là, je t'ai mis. Ouais. Celui-là, il déconne. Ça y est, tes amis. Bon, mais voilà. 6 cookies à 2. Dessert terminé. Terminé. Là, on ne remange pas jusqu'à ce soir. Ouais, heureusement. Ça sera raisonnable. Bon, ben, l'expérience est relativement bonne. Ouais, plutôt bonne. Moi, je les mettrais un cran en dessous de. Ben, des, c'est pas comparable, mais. C'est pas comparable. En dessous des données de 65. Ouais, l'expérience qu'on a même. Ouais. Elle était un peu moins bien. Mais même par rapport à Paris, ceux qui ont vu ce Cookie au Cookie, par exemple. Ce qu'on avait goûté à Paris, ouais, c'était au-dessus, clairement. Pour nous, en tout cas. Mais bon. Mais c'était bon, quand même. Ouais, ouais. C'était pas mauvais. Mais non. Vu qu'on est honnête, peut-être que si vous venez sur New York, c'est peut-être pas le truc à faire en premier. Non, c'est pas le meilleur truc sucré quoi. Après, si vous adorez les cookies, vous serez pas déçu ici, je pense pas. Ah non, non, c'est sûr. Voilà, il y en avait des très bons, celui au pistache, la pistache est très très bon. Ils sortent, on les a vus sortir derrière, donc c'est cool. C'est bon quand même. Non, c'est bon, c'est vrai. On insiste bien sur le fait que c'est bon, hein. C'est bon. Mais c'est pas le coup de cœur. C'est pas notre expérience de. C'est pas le coup de cœur. Voilà, en direction marche digestive, c'est un peu de sport. Marche digestive dans le froid, un peu de sport, et puis ce soir, de nouveau au restaurant. Ouais. En attendant, on va vous laisser là. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas, c'est important pour nous ça. Donc abonnez-vous, et puis on vous retrouve très vite. À très vite, salut les amis. Allez, salut.